Jean-Maurice Fouquet, auquel nous avons rendu hommage mercredi soir. Jean-Maurice Fouquet, qui fut conservateur de notre cher musée Réattu à l'âge de 26 ans, était de ces hommes curieux de tout qui considéraient l'art pour l'art avec la conviction que la créativité humaine traverse les siècles et qu'il faut savoir s'y livrer. Je pense à cet homme, chère Annabelle Aoudanko, parce que je trouve que votre travail, dont nous découvrons ici ce soir un nouveau chapitre, l'aurait séduit. D'une part parce qu'il s'agit d'un travail photographique, médium dont il avait deviné très tôt, en collaboration avec Lucien Clergue, qu'il serait un jour l'un des beaux-arts, et d'autre part parce qu'il interroge le temps, matière dont un spécialiste de l'histoire d'Arles avait fait sa prédilection. C'est la première fois qu'il y a cet engagement pluriannuel avec un artiste. C'est pas anodin, ni pour le musée, ni pour l'artiste. Il ne faut pas lâcher, c'est-à-dire qu'on annonce les trois projets, c'est-à-dire que les trois projets devront se faire, devront pouvoir être présentés, sinon, quelque part, on perd tout le sens de la collaboration qu'on a avec Annabelle en blanc. 2019, le musée a acquis une série photographique qui est dévoilée, qui est présentée dans l'exposition, ainsi que trois vidéos, une série de trois vidéos qui fonctionnent avec cette série. Donc les expositions temporaires qui sont présentées ont toujours un lien avec l'histoire des collections du musée. C'est-à-dire qu'un artiste, on n'expose pas un artiste pour qu'il disparaisse après, qu'il n'y ait plus de traces dans l'histoire du musée. Si un artiste est présenté dans le cadre d'une exposition temporaire, c'est parce que son travail a à voir avec l'esprit du musée et l'histoire de ses collections et l'enrichissement de ses collections. C'est vraiment le cas avec Annabelle Aoudanko, qui est une artiste plasticienne qui utilise l'appareil photo pour faire de la photographie et de la vidéo. J'élargis le passage entre l'apparition et la disparition, et j'altère la représentation de l'image et de la figure progressivement au fur et à mesure de ces trois chapitres. Donc, en ce qui concerne l'hybridation de la photo avec la vidéo, elle agit aussi bien sur la représentation de l'image en essayant de mêler au fur et à mesure de ces trois chapitres les caractéristiques spatio-temporelles des deux médiums. Donc on va être face à des vidéos qui sont de plus en plus figées et à des photos qui sont de plus en plus avec le mouvement. Et aussi sur les supports et sur leur présentation. Donc on va avoir des supports pour la vidéo qui vont être de plus en plus proches de ceux de la photo et ceux de la photo qui vont être de plus en plus proches de ceux de la vidéo. Donc en fait, l'idée c'est d'avoir de plus en plus de corrélation entre la présentation des deux médiums au fur et à mesure des chapitres pour annuler leur distinction. Voilà, je suis là en tout cas.